Salut à toutes et à tous, c'est HDPAD pour une vidéo du premier épisode du Top 10 Skills spécial ami de HDPAD, excusez-moi, sur Call of Duty Black Ops. Attention, c'est parti. La 10ème place, ABI, Dilambra, donc il va faire 4 kills. Mais impressionnant, donc là le premier kill à l'arbalète. Ensuite, là il attend un peu, il se dit pourquoi pas enchaîner un autre avec l'arbalète. Ou alors au couteau, mais non, pas balistique, mais normal. Justement, regardez. Là, dommage, il le rate. Là, un foutu bug. Et là, hop là, il l'a. Excusez-moi pour mon dos. Mais ça vous a pas chiné. Bon, le pauvre, il s'est fait tuer. Ensuite, il va très très vite se récupérer en butant deux ennemis, mais par un coup de chance. Il bute le premier, donc là, c'est le vrai coup de chance. Là, il arrive à survivre. Là, il essaye de tirer plein de fois sur l'ennemi. Là, il enchaîne des couteaux. Et là, hop, là. Excusez-moi, donc là, il s'est retourné. Et puis voilà, il a buté l'ennemi. Bien joué. À la 9ème place, c'est Redidan 69. Ou 99 à mon avis. Qui va faire deux kills avec une Valkyrie. Donc un premier kill et un deuxième kill. Voilà. Bon, bien joué quand même. À la 8ème place, c'est Adrian Fox. Il va faire 3 kills mais absolument formidable. Donc le premier en Titanic. Donc en face, hein, je dis en face. Deuxième en Titanic en face. Ensuite là, il descend. Et ensuite, il a envie de monter sur ce joli petit train. Je lui ai dit, pourquoi pas enchaîner un mec en Titanic par derrière. Justement, regardez bien. Là, il va se gaver parce qu'il est en mode furtif. Le mec, normalement, le voit, il le voit même pas. Attention, il court derrière lui. Normalement, ça ne sera pas un Titanic normal, ce sera un Titanic, pleine tête. Bien joué! 7ème de notre classement, Hilario Lyon, qui va faire 2 kills. Donc là, le premier kill, donc au space 12 silencieux, avec recharge rapide. Là, il a vu un ennemi, et hop, un dernier kill. Et malheureusement, il se fait tuer par une grenade. Bien joué! 6ème de notre classement, c'est le Maquisard 83 qui va faire un superbe enchaîné avec son Yui. Là, il a déjà fait 3 kills. Attention, car il ne va surtout pas s'arrêter là parce qu'en plus ça durera pendant tout le temps du Yui. Donc 3, 4, 5, 6, 7. Huit. 9. 10. Et dommage. 10 kills. 5ème de notre classement, c'est Mathias. Je sais pas pourquoi, mais déjà je sais qu'il s'appelle Mathias. C'est un espagnol, donc regardez bien son tout premier kill. Et BAM! Ensuite, son deuxième kill. Puis voilà, après ça sera tout, il va mourir. Donc oui, je laisse le temps et voilà, deuxième kill, bravo. La 4ème place, bon, excusez-moi, c'est moi, c'est juste que voilà, j'ai pas voulu me classer dans le top 3 et en plus j'avais raison. Voilà, donc c'est 4 kills, donc là je n'avais plus de munitions dans ma AK-47, là je pute un mec d'une façon incroyable. Ensuite là je prends la MP45K qui était par terre, je veux le deuxième ennemi. Non, je mute même pas 4, j'en mute 3. Ensuite, le dernier en 5ème finale, voilà, c'est joli. 3ème de notre classement, attention, ça va aller très 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 vite. Et qu'en plus, ça va devenir vachement chaud, c'est Dynamite 64. En 22 secondes, il va faire des kills incroyables. Je vais pas vous montrer les kills, voilà. Donc 1 kill, 2ème kill, 3ème kill, 4ème kill, 5ème kill. 5ème kill, donc il ne va pas s'arrêter là, donc... Je fais une voix pas possible, c'est parce que je suis impressionné. 6ème kill, 7ème kill, et enfin le 8ème kill. Bravo, super beau clip. 2ème de notre classement, c'est Mathias. Je sais pas trop quoi. Mathias, je sais vraiment pas du tout quoi. Qui va faire 4 kills.
Bon, attention, ça va aller super super vite. Enfin, peut-être. Si on va avoir là le premier kill avec le napalm qu'il avait envoyé il y avait un instant. Là, le deuxième au piton. Voilà, le piton. Oh, putain, je baisse. Donc là, il va falloir attendre juste un petit instant. Voilà. Troisième kill. Je suis en train de regarder ces balles, voir s'il n'y avait pas une erreur. Là, le dernier kill. Je dis bien le dernier kill. Si je ne me trompe pas. Non, c'est bon. Voilà, bon. Je me suis bourré. À la première place, c'est qui? C'est Killer 1970, Chris 9. Donc, qui va faire 4 kills. Enfin, s'il veut bien paraître, voilà. Premier kill, donc, Hind. Deuxième kill, Hind. Et troisième kill, encore une fois, le Hind. Ensuite, là, le quatrième kill, ça ne sera pas le Hind, ça sera lui tout seul. Mais par un coup de balle, donc là, vous voyez, il se fait larguer une tourelle automatique. Et regardez bien, mais c'est de la chance. Il prend sa tourelle, et attention, réflexe, et hop là! Bravo, Chris! Enfin, Chris. Ouais, Killer Chris. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura bien plu. Et si vous voulez faire comme par exemple Dynamite 64 avec ses 8 kills ou couteau balistique, j'ai envie de dire que là il s'est vachement gavé. Même si c'est enfin, c'est pas vraiment vrai, mais une ordure. Parce que moi j'ai essayé, j'y suis jamais arrivé. Bah, essayez, mais c'est très 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 dur. Et quand en plus j'étais dans la partie, et je vous dis, c'est super chaud. Au revoir tout le monde.